J'y pense. Comment l'eau liquide a-t-elle disparu de la planète Mars? Aujourd'hui, la communauté scientifique est presque sûre qu'il y a eu de l'eau liquide sur Mars. Que ce soit des lacs, des rivières et même des océans. Mais comment l'eau liquide s'est-elle volatilisée? Eh bien, c'est une bonne question. Remontons 4 milliards d'années en arrière. On sait qu'il y a eu de l'eau sur Mars, car on y a retrouvé des minéraux hydratés, c'est-à-dire de l'argile par exemple. Pour que l'eau puisse se maintenir à l'état liquide sur n'importe quelle planète, dont la Terre, il faut de la pression, une atmosphère par exemple, et une certaine température. Sur Mars, il y a 4 milliards d'années, il faisait environ 18 degrés Celsius. L'eau a disparu car une condition n'a plus été respectée. Faisons un zoom sur le cœur de la planète. Comme sur Terre, le centre de Mars est composé de fer en fusion, appelé magma. Les mouvements et les frottements du magma créent un énorme champ magnétique autour de la planète. Ce champ magnétique sert à la fois de bouclier face à la puissance du Soleil et à la fois de rempart pour empêcher l'atmosphère de se dissoudre dans l'espace. C'est justement l'atmosphère qui permet d'exercer une pression sur l'eau pour qu'elle se maintienne à l'état liquide. Parce que oui, on ne s'en rend pas compte, mais l'air, c'est lourd. Par exemple, l'atmosphère terrestre a une masse de 5 quadrillions 290 trillions de kilos, c'est-à-dire ce nombre-là, ou celui-là. Mais rapidement dans l'histoire de Mars, les mouvements dans les noyaux se sont arrêtés, déclenchant une réaction en chaîne. Le champ magnétique a presque disparu, laissant l'atmosphère se dissoudre dans l'espace. Sans la pression de l'atmosphère et le bouclier pour la protéger des rayons du soleil, l'eau s'est en grande partie évaporée dans l'immensité noire. Excepté au pôle, où l'on observe encore de nos jours de grandes calottes glaciaires. Mars fut donc autrefois une planète hospitalière, riche en eau et un climat tempéré. Est-il possible que la vie se soit développée en même temps sur Terre et sur Mars? Cela reste un des nombreux mystères de Mars, du système solaire, de l'univers.